En 2003, lorsque le gouverneur de Tokyo, Ishihara Shintaro, décidait de nettoyer le mythique quartier du Kabukicho, c'était plus qu'une partie de ma vie qui disparaissait sous le béton des immeubles neufs et le clinquant des postes de police qui émaillaient désormais l'endroit. Les enseignes fleuries et explicites qui vous permettaient de trouver votre bobinard préféré en un coup d'œil étaient désormais interdites. Les fleurs de pavé qui vous invitaient à un petit voyage tarifé ou les boys des Soplans qui vous conviaient à découvrir leur nouvelle carte avaient été chassés par la troupe et désormais le quartier comptait presque autant de policiers que de yakuza. L'abattage de certains immeubles et de certains chefs de gang devait rendre l'endroit plus lumineux et plus sûr. Pour les touristes qui arrivaient désormais en masse pour visiter ce dédale malfamé rendu célèbre par une pop culture qui s'exportait de plus en plus, tuant l'âme de cet endroit qui avait fait les beaux jours des 30 glorieuses qui s'amusent, mais aussi de mes années de jeune homme. À cette époque où, pas encore père, je ne connaissais rien du véritable amour. Le Kabukicho, dans l'imaginaire des sages mères de famille de Chiba ou de Akita, c'est un peu l'antre de la bête, le territoire de toutes les perversions et de tous les dangers, un labyrinthe sombre et terrible dans lequel les âmes en perdition viennent se rouler dans le stupre, l'alcool et les substances, en un spectacle apocalyptique. Cet endroit que l'on surnommait la ville qui ne dort jamais, oui, comme New York, je l'ai aimé et ce pendant des années. Il a été au cœur de ma vie et de mes nuits, et je peux affirmer sans flagornerie que je pense en avoir aspiré le souffle autant que j'ai pu. Les petits clubs punk au troisième sous-sol, au sol collant et à l'atmosphère enfumée, le Mother Bar où l'on choisissait sa playlist sur une carte bien plus vaste que le choix des boissons, en évitant les trous dans le sol et Hiroko, la serveuse tatouée qui me couchait sur les matelas de l'arrière-boutique quand elle avait trop bien fait son métier. C'était aussi le Loft Plus Once, club improbable où des spectacles BDSM et des ponchos succédaient aux conférences abolitionnistes ou féministes, voire à certains nostalgiques du shogunat, et où l'on pouvait parfois croiser quelques têtes connues pour différentes raisons, de Bi Takeshi à Sagawa Issei. Le Kabukicho, c'était tout cela et bien plus encore, et c'est sans doute ce sentiment d'appartenance à un monde à part qui faisait que tout le monde vivait en bonne entente, voire en harmonie dans cette capitale officieuse du sexe et de la nuit. Pour celui qui y croit, c'est aussi l'endroit de tous les mystères des fantômes qui hantent les rues et des yokai qui guettent le faisan égaré. Pour celui qui ne croit pas, mais aime les histoires qui glacent le sang, c'est surtout l'endroit où nombre de meurtres sordides restent et resteront à jamais irrésolus, s'effaçant de la mémoire collective comme les taches de sang d'une bagarre sous la première pluie du matin. En 2003, lorsque les pelleteuses ont commencé à détruire l'histoire, je partageais la vie d'une des actrices de cette grande pièce mélodramatique à ciel ouvert. Ma compagne Mayaka tenait un club pour adultes, dirons-nous, où musiques extrêmes, performances artistiques dénudées et amours tarifés faisaient bon ménage 6 nuits par semaine. Même si nous étions conscients que cette vie ne nous mènerait sûrement pas vers la parentalité, le pavillon de banlieue et le plan d'épargne retraite, il nous arrivait d'aspirer au calme et aux balades presque romantiques au milieu des régurgitations et de la viande saoule collée au sol à l'heure où blanchit la campagne, pourtant si éloignée. C'est en passant dans ces ruelles au relent de tabac froid que Maya m'a parlé pour la première fois d'une série de meurtres non élucidés qui avaient semé la panique dans le quartier rouge à l'aube des années 80. Aujourd'hui détruit, c'est la fréquentation du mythique Coca Palace, un love hotel non loin de Seibu Shinjuku, et qui avait vu passer plus de couples illégitimes qu'un chef de gare depuis son ouverture en 1948, et dans lequel nous aimions nous imprégner de cette ambiance surannée qui a réveillé ses vieux souvenirs d'enfance. Bien que peu relayé par la presse nationale, autrement que pour dénoncer la débauche supposée du lieu et quasiment oubliée de nos jours, l'affaire du tueur du Kabukicho reste à ce jour l'un des seuls cas de tueur en série à n'avoir jamais été capturé, ni même identifié, et qui le restera puisque la prescription sur ces meurtres court depuis 1996. Alors, à travers l'histoire de ces victimes, de ce quartier que j'aime tant et de cette époque qui faisait peu de cas des filles perdues, laissez-moi vous raconter l'histoire du tueur du Kabukicho.
Le quartier n'a connu la forme qu'on lui connaissait encore dans les années 90 qu'en 1948, après avoir émergé des cendres du Tokyo bombardé et détruit. Avant de devenir le quartier rouge, l'antre de tous les plaisirs, c'était un simple petit coin de Shinjuku, le plus pauvre d'ailleurs, fait de baraques en bois et d'exclus, mendiants, malades et journaliers qui, pour la plupart, ne purent survivre au déluge de bombes incendiaires larguées sur les civils et pendant des mois par les avions américains. De cet enfer génocidaire renaîtra une ville nouvelle dont Shinjuku sera le poumon économique. Bien à l'abri derrière les étages qui montaient un peu plus chaque mois, un petit quartier qui ne portait encore qu'un numéro verra quelques projets de construction culturelle dont celui d'un théâtre kabuki qui lui donnera finalement son nom. L'ironie du sort fera que le Kikosa en question ne sera finalement jamais construit mais que le quartier en gardera le nom Kabukicho, comme pour donner le ton de la grande représentation colorée qui était sur le point d'offrir à la ville engourdie qui se réveillait à peine de cette terrible gueule de bois. Pas de théâtre donc, mais quelques établissements tout de même, puisqu'en quelques années, et ce dès 1956, seront érigés le cinéma Milanoza, le centre culturel et théâtre de Tokyo et le célébrissime Anka Hall of Fame, d'abord baptisé Shinjuku Koma Theater et qui verra passer les plus grandes stars mondiales sur ses planches avant de fermer ses portes en 2008, pour être détruit et faire place à un complexe cinéma de la Toho, dont la mascotte Godzilla dépasse du toit et surveille la ville du coin de l'œil. La construction de ces lieux de loisirs entraîna rapidement celle d'établissements plus petits qui accueilleraient les spectateurs pour y manger, y boire et s'y détendre. Bien naturellement, en ces périodes de domination yakuza sur la vie nocturne et les loisirs, les gangs y ouvrirent casinos, cabarets, cercles de jeux et maisons closes au milieu des bars qui fleurissaient à chaque coin de rue. Très vite, ce quartier devint le centre de la vie festive de Tokyo et les années 60 y virent éclore les révoltes étudiantes et l'éclosion des mouvements contestataires et artistiques. Dès 1968, les jeunes japonais en rébellion contre la culture et les codes de leurs parents se mêlèrent aux prostituées, aux dealers et aux paumés qui échouaient là, car personne d'autre ne voulait d'eux. Dans les années 70, la réputation de l'endroit n'était plus à faire et le bourgeois s'y rendait de moins en moins, apeuré par les histoires sinistres que l'on racontait sur ce qui s'y passait la nuit, les gens urbaines pour la plupart, et se contentaient d'aller au spectacle avant de repartir en taxi. Dans le dédale de ruelles du Kabukicho, les loyers baissaient à tel point que l'explosion du mouvement punk évite un nid douillet à moindre frais pour y installer ses enseignes et y cultiver la révolution culturelle et artistique qui donnerait au quartier ses lettres de noblesse. Au début des années 80, le paysage matinal de cet endroit surréaliste mais splendide était principalement constitué de prostituées rentrant du travail, de clients courant prendre le premier métro pour entrer chez leurs femmes et de jeunes rockers enfumés qui avaient passé la nuit à refaire le monde sur fond des meilleures musiques de l'époque. Le tout, bien sûr, sous l'œil paternel des yakuza qui faisaient en sorte que rien ne dépasse et remettaient dans le droit chemin ce qui exprimait un peu trop leur enthousiasme. S'il était une chose que chacun pouvait constater au premier coup d'œil, c'est que les seuls uniformes que l'on y croisait étaient ceux des soldats qui sortaient des bordels et rarement, voire jamais, ceux de la brillante police métropolitaine de Tokyo, plutôt absente des lieux. Et c'est sans doute ce qui inspira aux tueurs du Kabukicho cette envie de frapper là et nulle part ailleurs, fauchant trois figures locales dans la fleur de l'âge, enfin celui qu'elle voulait bien se donner, car ici, chacun est ce qu'il veut et la réalité n'est souvent que celle du moment et de l'endroit. Comme Charles Manson mit un terme aux années hippies, le 8 août 1969, la belle innocence des années d'or du Kabukicho prit fin le 20 mars 1981. La vie idéale dans la grande ville lumière et ses nuits magiques, elle en avait pourtant rêvé. Elle, c'était Fujisawa Akiko, l'une des anonymes que l'on croisait chaque nuit sans la remarquer, traînant ses malheurs et sa vie de regrets sur les trottoirs mouillés et dans les chambres poussiéreuses de ce maudit Kabukicho qui lui avait tout pris et si peu donné. Pourtant, sa vie n'avait pas toujours été celle d'une héroïne de film social dont on sait à l'avance qu'elle ne verra pas le générique vivante. Elle était née en 1936 dans le quartier de Konohana à Osaka, juste en face de la baie. Fille tardive d'un pêcheur et d'une couturière, elle grandira avec son grand frère et ses parents dans une petite maison coquette proche des limites du port voisin de Kobe et mise à disposition par la pêcherie. En 1940, son père et son grand frère seront appelés sous les drapeaux et partiront faire la guerre pour n'en jamais revenir.
En 1945, elle sera prise en charge par l'État après la disparition de sa mère, violée et torturée par des soldats américains en poste à Kobe et jamais remise de cette horreur. Pupille de la nation, elle pourra étudier gratuitement dans un collège de Kobe, puis grâce à de bons résultats, faire son lycée et obtenir son diplôme de fin d'études. Mais comme les études supérieures n'étaient pas comprises dans le pack orpheline offert par l'empereur, elle dut trouver un emploi et à 17 ans commença à travailler dans une conserverie de la ville. À 19 ans, elle tomba enceinte de son contremaître, un homme marié, et devra quitter son emploi pour élever toute seule sa petite fille Hiroko qui naîtra en 1956. À cette époque où une fille mère n'avait pas sa place dans la société japonaise en plein miracle économique, elle fera des ménages dans des hôtels de Kobe, de ces petits boulots sans contrat pour lesquels on ne vous demande rien et où l'on vous paie en espèces chaque soir. Lorsqu'elle quittait son travail, elle rencontrait souvent ses filles du port qui montent avec des marins du monde entier pour quelques yens et assez vite sympathisa avec certaines. Elle, la fille perdue car mère trop tôt et sans mari, et les filles de joie que la société préférait ne pas voir avaient tout pour s'entendre. Certaines de ses filles travaillaient dans des cabarets, soit comme danseuses, soit comme barmaid ou vestiaires, et c'est d'ailleurs là qu'elles trouvaient leurs clients de fin de nuit. En 1957, Akiko, que tout le monde surnommait Ako, entra dans un cabaret du port et y travailla comme hôtesse. Jolie et joviale, elle poussait les clients à la consommation contre quelques minutes de conversation et touchait un pourcentage, maigre mais tout de même, sur les ventes de mauvais whisky vendus à prix d'or à des marins déjà ivres. Un an plus tard, le patron du cabaret, un certain Honda, lui obtint une place dans l'un de ses établissements de Tokyo en lui promettant qu'elle gagnerait bien mieux sa vie et pourrait sûrement y trouver un mari bien plus progressiste qui l'accepterait avec sa fille. Alors à 22 ans, elle fit sa valise et débarqua à la gare de Shinjuku, prête à vivre la grande aventure. La succursale de Honda était un peu plus grande que celle de Kobe et sise au cœur du Kabukicho, alors en plein essor et en pleine ébullition. Elle y travailla comme vestiaire, puis comme barmaid et enfin put retrouver son travail d'hôtesse nettement plus intéressant d'un point de vue financier. Elle était logée par le gérant avec sa fille dans une des nombreuses chambres de bonne situées au-dessus de l'établissement et payait presque la moitié de son salaire pour 20 pauvres mètres carrés sans eau courante. C'est dans le cadre de ses activités professionnelles qu'elle rencontra un homme dont elle tomba éperdument amoureuse. Client régulier et grand adepte de sa conversation, il venait la voir 3 fois par semaine et passait tout son temps avec elle, dépensant des fortunes en boissons et en cadeaux pour Ako. Malheureusement, l'homme apparemment charmant avait tout de même un petit défaut, il était marié et père de famille. Concessionnaire automobile, en ces temps où chaque japonais voulait posséder son auto, il avait de beaux moyens financiers et quelques mois après leur rencontre, Harada Shinji, c'était son nom, installa Ako et sa fille dans un petit appartement de Shinjuku. Ce double foyer dura quelques mois avant que Ako ne tombe enceinte des offices de son amant et ne lui demande de faire un choix. Il quitta sa femme de 50 ans pour une de 23 et vint s'installer avec elle dans le petit appartement. Leur grand projet d'acheter une maison pour y élever les enfants s'effondra lorsque l'ex-femme de Harada lui prit tous ses avoirs et ses biens suite à un douloureux divorce, enfin, pas douloureux pour tout le monde. Harada retrouvera un petit boulot dans une agence immobilière, mais des problèmes de santé l'empêcheront de poursuivre ses activités et il passera vite plus de temps à la maison qu'au bureau. Après la naissance du petit Kaito, Ako dut elle aussi reprendre un travail au plus vite et retrouva sa place dans le cabaret où elle travaillait. Toujours jolie et très accorte, elle put reprendre son emploi d'hôtesse et après quelques mois d'activité, elle réussit à prendre en charge son mari malade et ses 2 enfants. Très appréciée des clients, elle avait pourtant toujours refusé de franchir le pas de la prostitution, refusant souvent des ponts d'or des hommes qui l'appréciaient. Mais cette règle des reins qu'elle s'était fixée, elle finira par la briser lorsque, suite à de nombreux problèmes signalés par son école, on diagnostiquera une grave maladie cardiaque à son fils Kaito. Les traitements de son fils et de son mari coûtant beaucoup plus que ce qu'elle pouvait espérer gagner comme hôtesse, elle finira par accepter des passes auprès des clients du cabaret, puis petit à petit, dans quelques établissements spécialisés du quartier. En 1975, son fils avait 7 ans et elle travaillait plus que jamais, enchaînant les passes dans les maisons closes et parfois même en racolant dans les rues du Kabukicho.
Cette année-là, elle découvrira que son mari, malade certes, mais aussi menteur et infidèle, utilisait l'argent qu'elle lui donnait pour son traitement pour entretenir une jeune femme qu'il voyait pendant les périodes où il était censé être à l'hôpital. Négligeant ses soins au profit de la bagatelle, il finira par en mourir au mois de mai de la même année. Menacée par la jeune femme que son mari entretenait, elle dut lui verser une somme considérable pour ne pas que ses amis yakuza interviennent et une fois de plus se retrouva sans rien. N'arrivant plus à joindre les deux bouts, elle demanda à une cousine de Kobe si elle voulait bien prendre ses enfants en charge pour lui donner plus de temps pour travailler. En juin 1975, les petits partirent et Ako plongea dans le travail. Elle se fit une clientèle fidèle, passant des annonces dans les magazines et collant ses tracts publicitaires dans toutes les toilettes de l'arrondissement. À presque 40 ans, elle paraissait toujours jeune et en jouait d'ailleurs. Elle rédigera une bio fictive pour attirer le pigeon et y inscrira un âge qu'elle gardera jusqu'à la fin, 33 ans. En 1978, devant la demande grandissante, elle entra dans un donjon bien connu de Shibuya et y apprit les techniques de domination et de ligotage que beaucoup d'hommes lui réclamaient. Très vite, elle put augmenter ses tarifs et envoyer plus d'argent à ses enfants qui y grandissaient loin d'elle. Avec ce retour à meilleure fortune, elle aurait pu les faire revenir avec elle, mais ses horaires de travail, la nature même de ce travail et l'homme qui partageait sa vie, désormais un proxénète proche du milieu, l'en empêchaient et elle préférait les savoir en sécurité. En juin 1980, alors qu'elle rentrait d'une nuit de travail éprouvante, elle reçut un coup de téléphone de sa cousine de Kobe. Son fils venait de mourir. Elle prit le train pour aller enterrer son enfant et ne put même pas voir sa fille qui, étudiante et au courant des activités de sa mère, refusait de lui parler. La mort dans l'âme et seule au monde, elle rentra à Tokyo et se plongea dans l'alcool, les médicaments et les demandes des clients de plus en plus extrêmes. C'est justement l'un d'entre eux qu'elle devait retrouver en cette nuit du 20 mars 1981, c'est du moins ce qu'elle confiera à une amie. Elle devait rencontrer son client, qu'elle nommait juste Dogan, ce qui peut se traduire par visage d'ange ou face de bébé, vers 1h du matin au Love Hotel New El Sky, près de la gare de Shinjuku. Comme d'habitude, il était fidèle au poste, bonnet noir et lunettes fumées, sans doute pour ne pas être reconnu par sa femme ou ses collègues de travail. Elle le salua comme d'habitude, puis voyant une amie à elle, qui travaillait sur le trottoir d'en face, lui fit un petit coucou de la main avant d'entrer dans l'hôtel à 1h10. C'est lui qui paiera la chambre, d'avance, et lui encore qui, vers 7h du matin, descendra en premier, saluera la jeune femme de la réception, toujours avec ses lunettes noires, mais maintenant coiffée d'une casquette, achètera un paquet de cigarettes Peace au distributeur de l'entrée, puis disparaîtra. À 10h, heure où les clients doivent rendre la chambre, Ako ne sera toujours pas descendu et la femme de ménage frappera à sa porte pour lui signifier la fin de la location, mais sans réponse. Elle ouvrira la porte avec son passe après plusieurs tentatives et poussera un cri qui déchirera tout l'immeuble. Le directeur de l'établissement découvrira son employé évanoui sur le pas de la porte et à l'intérieur, un spectacle qui rendait cette perte de connaissance plus que compréhensible. Ako était étendue, nue, sur le lit rond recouvert de vinyle noir, elle avait les bras et les jambes écartés et attachés par de petites chaînes reliées à des anneaux fixés au lit et prévus à cet effet. Un colon avait été noué autour de son cou et son visage était bleu, ses yeux exorbités et sa langue pendée. Sa poitrine et son ventre avaient été percés de dizaines d'aiguilles médicales et une large tache de sang apparaissait au niveau de son entrejambe. La police, lorsqu'elle relèvera le corps, découvrira que du verre cassé et le manche d'un fouet avaient été introduits dans son anus. L'autopsie conduite par l'Institut médico-légal de Tokyo conclura à une mort par strangulation et établira que les tortures subies par la victime furent réalisées pré-mortem. Dans la chambre, à part le sac à main de Ako, plein de ses cartes de visite, ce qui permettra son identification, aucun indice ne fut trouvé quant à l'identité possible du meurtrier, ni empreintes, ni vêtements, et malgré les descriptions de l'ami de la victime qui les avait vus la veille au soir et celle de la réceptionniste, aucun résultat ne se détachera des fichiers de la police. C'était un homme visiblement très jeune, sans doute autour de 20 ou 23 ans, assez grand, environ 1m80, mince et portant une casquette de l'équipe des Whales de Yokohama et des lunettes rondes fumées. Un avis de vigilance fut émis et distribué dans les postes de police de la région, mais l'enquête s'arrêta là. L'affaire ne fit pas grand bruit et seules quelques filles qui connaissaient Ako et avaient eu vent de ce terrible drame se méfiaient un peu plus de leurs clients.
Celles qui avaient un souteneur lui demandèrent une protection et les quelques gangs qui se souciaient de leur gagneuse mirent des hommes en faction devant certains clubs et hôtels à fort passage. Mais la ville qui ne dort jamais ne prit pas de repos et les affaires ne s'interrompirent pas pour pleurer la mort de l'une de ses filles. Moins d'un mois plus tard, le 25 avril, la soirée était douce et les hommes de la cité en goguette dans ce quartier qui éponge toutes les misères et tous les malheurs. À Nichome, le secteur qui jouxte la gare de Shinjuku et l'actuel grand centre Seibu, se tenait un love hotel mythique qui avait été au centre de nombreuses fictions et que tous connaissaient, le Koka Palace, qui, c'est le moins que l'on puisse dire, n'avait de palace que le nom. C'était le premier que vous rencontriez lorsque vous sortiez du passage souterrain qui vous évacuait de la gare le plus discrètement du monde. Pour nombre d'adolescents tokyoïtes, ce lieu avait été celui de leur première fois et pour beaucoup de couples illégitimes, c'était celui des rencontres furtives après le travail et avant de rentrer à la maison. Pour les professionnels du quartier, c'était juste leur lieu de travail. Des chambres que l'on peut louer à l'heure et qui coûtent le prix de 2 tickets de cinéma. La salle de bain fonctionnelle de la plupart d'entre eux leur permettait de décrasser des clients, pas toujours au top sur leur hygiène corporelle, et les accessoires fournis par d'autres hôtels leur faisaient faire des économies et permettaient toutes les fantaisies. De toute façon, le genre de clientèle qui amenait une pro dans un love hotel n'était pas de celui qui pouvait leur payer une suite au Hilton. Ce soir-là, vers 21h, un homme, visiblement jeune et coiffé d'une casquette des Yankees, Ray-Ban aviateur sur le nez malgré la pénombre, marchait le long de la rue qui longe le Koka Palace et fumait cigarette sur cigarette en regardant les filles appuyées contre le mur de l'établissement et qui attendaient le client. En passant devant une jeune femme, plus petite que les autres, celle-ci l'arrêta et lui demanda du feu. L'homme s'exécuta puis lui demanda son tarif. Semblant acquiescer, il la prit par le bras et marcha vers l'entrée de l'hôtel situé à moins de 10 mètres. L'une de ses consoeurs prit sa place devant le mur et la fille et son client rentrèrent dans l'établissement. Le réceptionniste leur donna la clé d'une chambre spéciale, la 203, vers 21h15 et tous deux prirent l'ascenseur vers le deuxième étage. Une heure plus tard, respectant le temps de location, l'homme ressortit de la chambre et descendit à la réception par les escaliers de service. Il salua le réceptionniste de deux doigts sur la visière de sa casquette, acheta une bière Asahi Supadrai au distributeur de l'entrée, puis, après avoir allumé une cigarette, sortit et tourna au coin de la rue. 10 minutes plus tard, un grand cri retentit dans tout l'hôtel et au-delà. La femme de ménage qui s'occupait de nettoyer les chambres entre deux clients et croyait que la 203 était vide, avait ouvert la porte pour y rentrer son chariot et était tombée sur un spectacle qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Une jeune femme était allongée sur le lit, pieds et poings liés au montant de la couche, un collant noir serré autour du cou. Ses yeux grands ouverts et sa langue sortie ne faisaient aucun doute quant à la mort douloureuse qu'elle avait dû avoir. Il n'y avait pas de sang sur la victime ni autour d'elle, et la chambre avait été nettoyée et rongée. Le corps de la malheureuse inconnue fut envoyé à l'institut médico-légal et la police envahit les lieux pour procéder aux premières constatations. Dans la pièce, les enquêteurs trouvèrent une paire de boucles d'oreilles crucifix bon marché posées sur la table, une paire de sandales de femme au pied du lit, un paquet de cigarettes Might 7 et un briquet sans marque sur la table de chevet. Il n'y avait aucun vêtement appartenant à la victime et son sac à main avait lui aussi disparu. De leur côté, les légistes établirent que la jeune femme avait été étranglée avec un collant en nylon noir après avoir été torturée avec une cigarette, dont de nombreuses brûlures furent retrouvées sur ses parties intimes. Rien n'indiquant son identité, un portrait fut affiché dans le Kabukicho et envoyé dans les postes de police de la ville. Mais personne ne semblait connaître la malheureuse. Les quelques filles qu'il avait vues travailler sur un bout de trottoir à côté du leur n'avaient jamais su son nom et les employés d'hôtel non plus. On ne remplit pas de registre dans ce genre d'endroit, pas plus qu'on ne demande des papiers. L'autopsie révélera tout de même que la victime était originaire d'un endroit pas ou peu pollué et était arrivée à Tokyo récemment puisque ses poumons ne portaient pas de traces de pollution, était d'un milieu très modeste puisque ses dents étaient très abîmées et n'avaient jamais été soignées et était probablement chinoise de la campagne ou taïwanaise d'après la cicatrice d'appendicite qu'elle avait et qui n'était certainement pas du fait d'un chirurgien japonais mais ressemblait plutôt à ce que l'on faisait dans les dispensaires de ces pays-là. 20 ans, 1m57, 40 kilos, les cheveux noirs coupés au carré, elle ressemblait à des millions d'autres filles dans le pays et bien vite les recherches furent abandonnées. Après tout, qui se soucie d'une fille perdue ?
Inoue Megumi est né le 12 septembre 1964 à Kawaguchi, dans la préfecture de Saitama. Fille d'un manutentionnaire et d'une caissière de convenience store, elle vivait dans un petit quartier très modeste de cette ville déjà très pauvre et partageait sa chambre avec son petit frère de 9 ans, son cadet. Volontaire et passionnée par la lecture, elle deviendra vite amie avec les filles du club littéraire de son collège et entrera dans la troupe de théâtre qui deviendra sa passion. Plutôt grande et fine, elle se rêvera assez vite un avenir de comédienne et rêvera de casting à Tokyo, mais bien que très proche géographiquement, la capitale est si éloignée pour les enfants pauvres de Saitama. Première de sa classe, elle obtiendra un prix d'excellence et se verra offrir la possibilité de rejoindre un prestigieux lycée de la capitale pour y poursuivre ses études. Mais malheureusement, le prix d'un tel établissement était bien au-dessus des modestes moyens de ses parents et à 15 ans, elle entrera au lycée public de son quartier. C'est là qu'elle rencontrera celui qui fera basculer sa vie. Dans ce lycée mixte de Kawaguchi, elle tombera amoureuse d'un camarade de classe, un garçon en décrochage scolaire et dont le collimateur de la direction pour ses nombreuses frasques. D'un an son aîné, il avait déjà un pied dans le monde de la petite délinquance et fréquentait une petite bande qui rêvait de devenir des apprentis yakuza et commettait quelques menus larcins pour exister. Fascinée par ce garçon, elle commencera par le suivre après l'école et commettra quelques vols à l'étalage pour se donner une consistance, puis, mois après mois, commencera à changer radicalement. Elle se décolorera les cheveux, commencera à se maquiller de façon excessive et changera son look très sage pour quelque chose de plus provoquant. Elle sera renvoyée de son lycée une semaine pour y être arrivée saoule et avoir fumé dans la cour devant les surveillants. À 16 ans, elle rejoindra l'une des tribus urbaines qui fleurissaient à Tokyo à cette époque-là, plus particulièrement à Harajuku où elle se rendait tous les week-ends avec son petit ami, leader du petit gang Takenoko. Ils y passaient leur temps à boire, à se défoncer au solvant et à voler dans les boutiques de mode du quartier, finissant parfois la journée au poste de police. Physiquement, elle changera du tout au tout et ses parents, qui se faisaient beaucoup de soucis pour elle, décidèrent de sacrifier tout ce qu'ils avaient pour la mettre dans un lycée privé pour filles. Mais lorsqu'elle apprit cette nouvelle, elle disparut de la maison familiale et courut se réfugier chez son fiancé, qui, ayant quitté l'école prématurément, travaillait comme pompiste et louait un petit studio à Warabi, dans la préfecture de Saitama. Ses parents, qui la retrouvèrent très vite, passèrent un accord avec elle, voulant avant tout son bien. Ils acceptèrent qu'elle vive avec ce garçon si elle continuait l'école. Megumi accepta, mais quelques jours plus tard, elle fut arrêtée par la police alors qu'elle volait du maquillage dans un grand magasin de Tokyo et fut définitivement exclue de son lycée. Dès lors, elle passera ses journées avec la bande et tombera vite dans les addictions. Consommatrice de solvants et de drogues vétérinaires très en vogue à cette époque, elle n'avait pas 17 ans lorsqu'elle commencera à se prostituer occasionnellement pour pouvoir subvenir à ses penchants addictifs. D'après les témoignages de ses amis de l'époque, c'est son fiancé qui avait organisé cette abomination et y faisait travailler nombre de jeunes filles de son entourage. Il était en relation avec une organisation qui fournissait de très jeunes filles à de riches messieurs, prêts à payer très cher pour passer une nuit avec une lycéenne. Cet immonde trafic, très répandu au Japon dans les années 80, commençait à rapporter gros aux jeunes pompistes qui récupéraient les trois quarts du prix des passes et en trouvaient toujours plus chaque semaine. Mais Megumi, malgré la vie atroce qu'elle vivait, n'avait pas renoncé à ses rêves et elle continuait à envoyer des lettres à des agences de casting. Lorsqu'elle allait passer la nuit avec un riche vieillard, elle lui demandait toujours s'il avait des relations dans le milieu de la télévision ou du cinéma et espérait toujours pouvoir sortir de cet enfer par la grande porte. De ses rapports tarifés ou de son fiancé, elle tombera enceinte peu après ses 17 ans et devra se faire avorter sous la menace et face à la colère de son petit ami proxénète. Elle vivra très mal cette intervention et tombera malade, ce qui rendra le jeune homme encore plus furieux car elle ne pouvait plus honorer les transactions qu'il avait décidées pour elle. En mars 1981, il la passera à tabac et la laissera sur le carreau. Le temps pour elle de cicatriser et elle devra reprendre sa sinistre besogne, se déguisant en écolière pour satisfaire de vieux pervers pédocriminels pour le plus grand profit de son fiancé qu'elle se refusait à quitter. En mai, elle ira plusieurs fois dans la riche propriété d'un sexagénaire fortuné qui, elle le répétera à tout le monde, avait de bonnes relations dans le milieu de la télévision et pouvait lui avoir un rendez-vous avec un directeur de casting qui cherchait de jeunes talents pour une nouvelle émission.
Rendez-vous fut pris pour le 1er juin et Megumi rencontrera un homme dans un hôtel de Shibuya, masqué tout le temps du casting, qui ne fut rien de plus qu'une suite de pratiques SM filmées. Elle repartira comme elle était venue, pas plus avancée quant à son avenir à la télévision. Le 13 juin, elle recevra un coup de téléphone du vieil homme avec qui elle avait des séances régulières et qui, cette fois, lui avait trouvé un vrai casting. Un rendez-vous fut pris pour le lendemain, elle devait rencontrer l'homme en question à la sortie ouest de la station de Shinjuku, dans un petit café facile à repérer. Le jour du rendez-vous, elle passa le début de l'après-midi dans un club de billard avec son fiancé, qui, entretenu par les filles qu'il prostituait, avait quitté son poste de pompiste et voulait même épouser Megumi pour en faire sa régulière. Vers 16h, ils partirent pour Shinjuku et firent un peu de shopping dans un grand magasin proche de la gare. Il lui acheta un portefeuille Louis Vuitton et elle se fit poser des extensions de cils et de cheveux blonds et roux. Vers 18h, après une dispute assez violente, il repartit et la laissa rejoindre son rendez-vous, lui promettant une correction quand elle rentrerait. Mais justement, elle ne comptait plus rentrer. Elle avait confié à l'une de ses camarades d'infortune qu'elle allait partir, qu'elle avait confiance en son avenir et pensait vite obtenir un poste à la télévision pour se défaire de cette vie qu'elle détestait. Elle arriva dans le café en question vers 18h15, mais en repartit avec un homme peu avant 18h30. D'après le témoignage de la serveuse qui s'occupa de leur table, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand et sportif, coiffé d'une casquette noire et qui portait des lunettes fumées. La bribe de conversation qu'elle put entendre lorsqu'elle servit les boissons parlait de casting et de télé. Vers 18h35, ils entrèrent dans un love hotel du Kabukicho, le Alpha, et montèrent dans la chambre Hakone no Ma, équipée pour les pratiques SM 5 minutes plus tard. La réceptionniste de l'hôtel décrira l'homme à la casquette et aux lunettes noires qui achètera 3 bières Kirin Ichiban Ichibori au distributeur automatique et un paquet de cigarettes Peace. Un peu plus d'une heure plus tard, l'homme descendit et fut interpellé par la réceptionniste de nuit qui venait de prendre son service. Elle lui demanda où il allait, il se retourna et lui dit simplement qu'il revenait dans 5 minutes et que la chambre était louée pour 3 heures. Mais il ne revint jamais. Alors dite, la jeune fille n'était toujours pas sortie de la chambre et un employé vint frapper à sa porte plusieurs fois lui indiquant qu'il était temps de partir avant de devoir payer une heure de plus. Sans réponse, il ouvrit la porte avec son passe et tomba lui aussi sur une scène cauchemardesque. Megumi était allongé sur le lit, nu, pieds et mains enchaînés, le ventre et la poitrine couverts d'aiguilles médicales et des collants noirs noués autour de son cou. En s'approchant de la jeune fille inconsciente, l'homme vit que son cœur battait encore et fit appeler les urgences qui la prirent en charge 10 minutes plus tard, mais malheureusement, elle décédera pendant son transport à l'hôpital. Là encore, l'autopsie démontrera qu'elle avait subi des tortures atroces avec des aiguilles et des brûlures de cigarettes avant d'être étranglée avec le même type de collant que les précédentes victimes. Le légiste trouvera aussi une grande quantité de kétamine dans son organisme et de la bière dans son estomac. Une fois encore, aucun indice ne fut retrouvé dans la chambre, ni mégot, ni canette vide, et les vêtements et papiers d'identité de Megumi avaient eux aussi disparu. C'est grâce à un livre emprunté à la bibliothèque municipale de Warabi que la victime avait emporté dans son sac que son identité put être établie et sa famille contactée. Un portrait robot du suspect fut réalisé à partir des témoignages des trois affaires et diffusé dans les commissariats et postes de police de la ville et de ses alentours, mais l'enquête, une fois de plus, s'arrêta là. Il y eut très peu d'articles de journaux sur l'affaire et la police ne parla jamais de tueur en série, refusant de faire le lien entre les trois meurtres devant la presse. Pour l'opinion publique et les médias, ce genre de criminel ne pouvait exister qu'aux États-Unis, pas au Japon. Les parents de Megumi engagèrent un détective avec l'argent prévu pour payer ses études. Ce dernier, ancien officier de la police métropolitaine de Tokyo, avait travaillé sur des affaires similaires dans les années 60 et connaissait les techniques d'investigation en immersion. Pendant que les autorités diffusaient un portrait robot qui, à n'en pas douter, ne servirait à rien, lui enquêtait au plus près et infiltrait ce monde de la nuit qui savait parfois cacher des choses inavouables. L'homme réussit à retrouver le petit ami proxénète, croyant dur comme fer que l'assassin fréquentait les milieux SM et lui versa une forte somme pour connaître le nom de certains de ses clients. Comble de l'ironie macabre, cet argent était celui des parents de Megumi qui sacrifiaient tout pour connaître la vérité.
Le détective, toujours resté anonyme, parvint à retrouver grâce à ses indications l'un des hommes qui payait la jeune fille pour ses services. Conscient qu'il n'obtiendrait rien par la menace ou la corruption dans ce milieu où l'argent et le pouvoir sont de mise, il se fit passer pour un client potentiel et, après des semaines d'approche, put rencontrer un homme qui semblait être un axe de cet odieux trafic. Dans le dernier rapport qu'il donnera à la famille Inoue, il décrira ce contact comme un producteur de cinéma de 65 ans, marié et grand-père, vivant dans une belle propriété avec parc en plein cœur de Tokyo. Prétendant vouloir une fille en particulier, il insistera auprès de cet homme, dont le nom ne fut jamais révélé, et vous allez voir pourquoi, et finira par rencontrer le soi-disant producteur qui avait abusé de Megumi lors d'un faux casting dans un hôtel de Shibuya. Il indiquera qu'un ami à lui devait la voir pour la même raison le 13 juin, mais qu'elle n'était jamais venue au rendez-vous, apprenant par la suite sa mort dans les journaux. Mais posant trop de questions, le détective finit par être évincé de ce milieu très fermé et dut se contenter de ce qu'il avait reçu comme information pour tenter d'identifier le mystérieux homme du rendez-vous. Durant l'été 1981, alors que la police semblait avoir totalement laissé tomber l'enquête, le détective réussit à identifier l'homme qu'il recherchait grâce à un faisceau d'indices donné par ses précédents interlocuteurs et quelques témoignages de filles du réseau qu'il avait pu rencontrer en se faisant passer pour un client. Cette fois, il jouera presque carte sur table et utilisera son statut de policier en omettant de dire qu'il était retraité pour faire peur à l'homme qu'il accusa d'être l'auteur de ce meurtre. Il lui expliquera le déroulé de la soirée, indiquant que lorsqu'il était arrivé, Megumi était déjà parti avec un autre homme, comme le lui avait dit la serveuse du café. Il vérifiera auprès de la dite serveuse, toujours employée dans ce café d'une grande enseigne japonaise, et devra bien se rendre à l'évidence. S'il existait bien un réseau de prostitution organisée pédocriminelle aux pratiques SM violentes, voire extrêmes, le tueur du Kabukicho ne semblait pas être l'un d'entre eux. Le privé ne rendit plus d'autres rapports et ne réapparut d'ailleurs jamais. La famille Inoue ne parvint plus à le contacter et lorsqu'ils se rendirent à son bureau de Ginza, celui-ci était vide et alloué. Quelques semaines plus tard, les parents de Megumi furent cambriolés pendant qu'ils étaient au travail et si rien de valeur ne leur fut volé, les rapports écrits du détective disparurent. Ils portèrent plainte en expliquant les raisons de l'engagement d'un privé et en donnant les éléments qu'il avait trouvés de mémoire, mais une fois de plus, l'enquête n'avança pas. Les éléments donnés par les parents et tout ce qui touchait ce réseau que l'enquêteur privé avait découvert ne furent pas pris en compte par l'officier en charge du dossier et furent même purement et simplement supprimés. Un jeune policier de la criminelle, plus motivé que les autres par cette affaire, porta son attention sur le détective et ce qu'il avait pu trouver, tentant de remettre la main dessus pour l'interroger sur son enquête, mais il avouera que l'homme, s'il avait bien existé et avait effectivement été policier, puis détective privé à Ginza, avait totalement disparu de la circulation. La famille Inoue, qui connaissait le nom d'un des rouages de ce trafic, car l'homme de télévision était connu de tous, tenta de rendre les choses publiques, puisque la police semblait ne pas en faire de cas, mais aucun journal ne voulut relayer l'affaire. Plus grave, ils furent victimes d'intimidation et leur fils fut menacé physiquement alors qu'il rentrait de l'école. Deux hommes le firent monter de force dans une Mercedes noire et le conduisirent chez lui, un pistolet sur la tempe pendant tout le voyage, lui expliquant que ses parents devaient arrêter de fouiner s'ils ne voulaient pas avoir de gros ennuis. En le laissant repartir, ils lui donnèrent une balle de 9 mm en lui disant de la montrer à ses parents qui comprendraient le message. Quelques semaines plus tard, la famille déménageait et l'on n'entendit plus jamais parler d'eux. L'année 1981 se passa sans qu'aucun autre meurtre ne soit commis au Kabukicho. Puis le printemps 1982 arriva et fut tout aussi tranquille. Les filles se méfiaient un peu plus qu'avant, mais les nouvelles arrivées, peu ou pas au courant des règles de la rue, jouaient solo et souvent juste parties de chez elles ou sous influence, prenaient quand même tous les risques. Ito Omuko est né le 15 mars 1968 à Shirokane dans l'arrondissement de Shinagawa à Tokyo. Après une enfance heureuse et sans histoire, elle vécut le divorce chaotique de ses parents après que son père ait perdu son emploi et se trouve incapable d'assumer sa famille. À 12 ans, elle se retrouva seule chez sa mère, déchirée de ne pouvoir voir son père et ses grands-parents paternels auxquels elle était très attachée.
Alors qu'elle avait à peine 13 ans, sa mère se remaria avec un agent immobilier qui les installa dans sa maison de Ebisu, un beau quartier proche de Shirokane, mais très vite, des conflits éclatèrent entre le beau-père et Muko et celle-ci se referma sur elle-même, s'enfermant dans sa chambre, la musique à fond. Au collège, elle était devenue amie avec Miyazaki Ayaka, une fille de son âge et qui, elle aussi, connaissait des problèmes avec ses parents en plein conflit et qui menaçait de se séparer. Après l'école et les jours de congé, les deux amies aimaient aller à Harajuku pour retrouver les groupes de danseurs qui se retrouvaient en face de la gare et s'affrontaient sur les musiques du moment. Cette plage de liberté, avant de rentrer dans l'enfer familial recomposé, Muko en avait de plus en plus besoin et bientôt, elle y passera même son temps de collège, manquant les cours pour danser, mais aussi boire et fumer en cachette, en admirant les beaux yeux du chef d'une bande qui lui plaisait bien. En mai 1982, Muko et Ayaka faisaient partie intégrante de cette petite bande et passaient beaucoup de temps à préparer leur évasion de ce monde. Peu attachées à leur famille, les deux très jeunes filles avaient décidé de fuguer et de partir loin de cet enfer domestique avec leurs petits amis respectifs. Muko avait réussi à séduire le leader de la troupe, un jeune motard de 19 ans qui semblait avoir de sérieux ennuis avec la police, mais faisait fondre le cœur de toutes les filles. Et Ayaka, elle, sortait avec un musicien punk de 18 ans qui dormait dans un van sans moteur posé sur des parpaings dans un ancien chantier. Le plan était parfait et toutes deux rêvaient à leur prince charmant et leurs escapades à venir malgré les mises en garde de leurs amis qui émettaient quelques réserves sur la solvabilité et le sérieux de leur chérie. Loin de ces basses considérations, les deux amies étaient bien prêtes. Mais fidèle de ce quartier très riche de Tokyo, Harajuku, elle gardait une certaine fascination pour le luxe et l'argent et au-delà de leur amour immodéré pour leur fiancé loser, aimait à regarder les belles voitures sur l'avenue et se laissait facilement faire un brin de conduite quand le conducteur était mignon et pilotait un bolide allemand. Le 6 juin 1982, les deux collégiennes avaient pris leur décision et ne comptaient pas rentrer chez elles. En fin d'après-midi, après avoir fait un tour chez le petit ami de Muko et s'être changées, elles rejoignirent quelques amis à la gare de Shinjuku où ils avaient un plan pour se rendre à une soirée au Loft Plus One du Kabukicho, un concert du groupe Friction qui devait se poursuivre en soirée dansante. Bien que mineure, elle connaissait un employé du club qui les faisait rentrer et leur servait même de l'alcool sans rechigner. Elles arrivèrent sur place vers 21h et assistèrent au concert en compagnie de leurs amis et de leurs petits amis, puis dansèrent et burent jusqu'à 4h du matin. Lorsque le club ferma ses portes, les garçons du groupe proposèrent de prendre leur moto pour aller à Kawagoe dans la préfecture de Saitama, où une fête donnée par des copains à eux devait durer toute la nuit. Mais les filles, fatiguées et un peu trop saoules, déclinèrent l'invitation et commencèrent à marcher dans la direction opposée pour attendre le premier métro dans un convenience store. Chemin faisant, elles entendirent de la musique qui se rapprochait d'elles et en se retournant virent une splendide Chevrolet Corvette rouge et flambant neuve conduite par un homme qui leur faisait signe. Il leur proposa de faire un tour en voiture mais les deux amies répondirent qu'elles avaient faim et voulaient se poser quelque part pour manger et se reposer. Il se gara et les invitait à manger où elles le désiraient. Muko choisit le McDonald's et tous trois y passèrent une bonne heure avant de passer par un magasin pour y acheter du thé en bouteille et des snacks. L'homme prit un pack de bière Asahi Supadrai et deux paquets de cigarettes Peace avant de les faire monter dans sa voiture pour un petit tour sur l'autoroute, histoire de leur faire voir ce que son bolide avait dans le ventre. Le conducteur, un homme jeune, assez grand et athlétique, était coiffé d'une casquette des Yankees avec les cheveux bouclés mi-longs qui dépassaient et portait des lunettes noires et de jolis gants en peau très fins. Assises à deux sur le siège passager, les jeunes filles s'amusèrent un moment de la vitesse et des paysages qui défilaient à vive allure. Mais alors qu'ils arrivaient aux limites de la préfecture de Chiba, elles s'endormirent comme des masses. Il était environ 7h du matin lorsque Ayaka se réveilla. Muko n'était plus là et l'inconnu à la corvette non plus. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et vit que la voiture était garée dans la forêt en haut d'une montagne. Alors qu'elle ouvrait la portière pour sortir et tenter de reconnaître les lieux, l'homme revenait par un petit chemin en sifflotant, l'air satisfait. Rassurée de le voir arriver, elle courut vers lui mais à peine arrivée à sa hauteur, reçut un terrible coup de poing dans le visage qui l'arrêta net et la fit tomber au sol. L'homme l'attrapa par les cheveux et passa un tuyau en caoutchouc autour de son cou pour l'étrangler. En quelques secondes, Ayaka perdit connaissance. Elle se réveilla quelques minutes plus tard et sentit une entrave à ses poignets. En ouvrant les yeux, elle ressentit une vive douleur à la tête et poussa un cri d'horreur en voyant son amie, nue et attachée à un arbre, couverte de sang et inconsciente.
Elle ressentit un froid intense et se rendit compte qu'elle non plus n'avait plus de vêtements. L'homme à la casquette, qui n'avait pas été très bavard dans la voiture, ramassa un couteau ensanglanté qu'il avait planté dans le sol près de Muko et se dirigea vers son ami qui ne pouvait pas bouger. Il essuya la lame sale avec un mouchoir en papier et colla son visage à celui de Ayaka sans enlever ses lunettes noires. Il prononça les derniers mots et presque les seuls qu'elle put entendre de lui. « Maintenant, je vais m'occuper de toi. » L'homme lui lécha le visage, puis elle ressentit une violente douleur à l'abdomen qui lui fit perdre connaissance. La malheureuse se réveilla dans une chambre d'hôpital. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait d'échapper à la mort et avait passé une semaine dans le coma. Blessée gravement et confuse, elle était vivante. La police vint l'interroger et elle raconta tout ce qu'elle avait vu et vécu après le concert et jusqu'à son réveil. Elle tenta de décrire son agresseur au mieux, mais ne put en donner qu'une description qui rappela quelque chose aux enquêteurs, mais sans apporter aucun élément nouveau au portrait robot. Elle décrivait la voiture, assez atypique au Japon à cette époque-là, et put dire qu'elle était immatriculée à Shinagawa sans se rappeler du numéro exact. De leur côté, les enquêteurs purent expliquer ce qui s'était probablement passé après que l'homme ne se soit garé dans cette forêt de Tiba. Droguées par ses soins, elles avaient de la kétamine dans l'organisme, le meurtrier avait d'abord conduit Muko dans la forêt, l'avait attaché les bras en croix à un arbre avec des liens en plastique et l'avait déshabillé. Il avait planté une grande quantité d'aiguilles médicales dans son corps et ses parties intimes, ce qui avait dû la réveiller et certainement causer la colère de l'homme. D'après les constatations du médecin légiste, Muko avait été violée à plusieurs reprises de son vivant avant que son agresseur ne lui coupe les tendons d'Achille et ne la taillade sur tout le corps avec son couteau. Elle avait ensuite été égorgée avec le même couteau et avait perdu la vie. Ayaka, elle, souffrait d'une large plaie à l'abdomen causée par un coup de lame très profond, celui qui lui avait certainement fait perdre connaissance. Elle portait des traces de strangulation et avait été violée alors qu'elle était inconsciente. Elle devait son salut à un groupe de randonneurs matinaux qui était arrivé de l'autre côté du chemin et avait visiblement effrayé le meurtrier. La police se lança à la recherche de la corvette rouge immatriculée à Shinagawa, envoya des hommes dans toutes les facultés de médecine puisque l'homme avait donné pour toute indication sur son compte le fait réel ou inventé qu'il fût étudiant en médecine, mais après des semaines d'enquête et de recherche, rien. La description très vague de l'homme et l'absence de signes distinctifs autres que vestimentaires ne permirent pas de dégager des suspects potentiels et la corvette, pourtant très identifiable, ne fut jamais retrouvée. Au service des immatriculations, la police trouva 30 véhicules de ce modèle et de cette couleur importés par la même société de Yokohama, mais aucune n'avait été immatriculée à Shinagawa et tous les propriétaires, entendus les uns après les autres, furent disculpés et mis hors de cause. Bien qu'arrivé à l'extérieur et pas dans un love hotel, cette affaire fut reliée aux trois meurtres précédents sans qu'aucune preuve matérielle ne vienne étayer cette hypothèse. Les dossiers furent transmis à la section criminelle de la métropolitaine et le dossier tomba sous la pile avant d'être oublié. Il fut définitivement classé sans suite en 1997 après que les meurtres furent prescrits et que tout le monde eut oublié les victimes du tueur du Kabukicho. 40 années après le dernier de ces assassinats atroces, on ne peut que constater un grand désintérêt pour cette affaire devant le peu d'ouvrages qui lui ont été consacrés. Sur les trois auteurs qui y ont trouvé un intérêt, seul l'un d'entre eux, Yamazaki Satoshi, se risque à une hypothèse que je vous transmets mais à laquelle je ne crois plus trop. Selon lui, dans son livre « Crimes pervers et sexuels », le mystérieux tueur serait un riche jeune homme proche des milieux de la télévision et de la politique qui aurait été protégé par ses pairs pour couvrir leur propre turpitude. Yamazaki croit fermement en l'existence d'un vaste réseau pédocriminel protégé par la police et des gens haut placés qui seraient même à l'origine de la plupart des disparitions de mineurs de cette époque. Il y évoque même le nom d'anciens ministres et suppose que ce sont eux qui ont éliminé le détective et fait déménager et taire la famille Inoue. Après avoir lu les rapports déclassifiés de cette affaire et toute la littérature qui y est consacrée, j'ai une théorie à vous soumettre et qui ne prétend pas faire office de vérité. Si effectivement, je pense et ai pu voir qu'il y avait bel et bien un réseau de prostitution infantile alimenté par des petits voyous pour fournir de riches clients des milieux politiques et télévisuels, et qu'il est plus que probable que ce microcosme répugnant ait pu prendre peur lors de la série de meurtres et se couvrir le mieux possible pour éviter des enquêtes gênantes, je ne pense pas que le tueur du Kabukicho ait fait partie de cette organisation.
En lisant les rapports et en analysant les circonstances et lieux de ces meurtres, je penche pour un tueur opportuniste qui s'est donné l'apparence de quelqu'un de la haute société. Il a sans doute fréquenté ce milieu par le biais d'un emploi ou d'un ami et eu vent de ce genre de pratique et du secret qui l'entourait. Certes, il portait des vêtements de marque, mais il semble qu'ils furent les mêmes, à l'exception de la casquette, pour chaque affaire si l'on en croit tous les témoignages. La voiture, quant à elle, semble avoir été volée ou empruntée sans que son propriétaire ne s'en aperçoive, équipée d'une fausse plaque, c'est du moins l'hypothèse de la police. En fouillant un peu dans la presse et les séries TV de l'époque, je me suis rendu compte que des belles américaines de ce genre en ont trouvé beaucoup dans les studios japonais, et que, comme dans beaucoup de pays, ces voitures n'étaient pas immatriculées et restaient parquées dans les studios entre chaque tournage. Si un journal d'utilisation et de référencement des tournages est bien tenu pour ces véhicules, il m'a suffi de demander à une amie comédienne si elle pouvait en emprunter une sans signer le registre pour savoir que c'est une pratique courante, et ce, depuis toujours. Alors, sans preuve matérielle et en formulant juste une hypothèse basée sur un faisceau d'éléments, je me risquerais à penser que le tueur pourrait avoir été un jeune figurant ou technicien de plateau porté sur le sexe extrême et qui, après avoir tué par opportunisme une première fois, aurait pu avoir vent de ce réseau et en profiter pour mettre la police sur cette voie tout en se couvrant et continuant ses activités. Je suis presque persuadé que le meurtre de Megumi n'est pas un hasard et que le tueur a dû intercepter l'information de ce rendez-vous pour être présent sur place, juste à temps pour le court-circuiter. Si l'utilisation d'une voiture de luxe semble prouver aux yeux des enquêteurs que le tueur était issu d'une riche famille ou a volé le véhicule, je pense pour ma part qu'il l'a emprunté à un studio et y a mis des plaques de cinéma avant de la ramener au petit matin, propre et nette, mais en omettant de signer le registre. La connaissance évidente des réalités de la police scientifique de l'époque, souvent évoquée dans les scénarios télévisuels, par l'absence de traces totales sur les lieux du crime et les goûts du tueur pour la bière bon marché et les cigarettes de pauvre, me conforte dans cette idée, même si je garde à l'esprit que ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Quoi qu'il en soit, il est fort probable qu'on ne connaisse jamais l'identité du tueur du Kabukicho qui, s'il est toujours en vie, doit être sexagénaire, peut-être père et même grand-père, et qui sait, arpenter les rues du Kabukicho avec sa famille autour de lui. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette affaire en commentaire, je les lis tous et suis très intéressé de connaître votre ressenti sur les différents indices laissés par le tueur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, plus de la moitié d'entre vous ne l'êtes pas encore, et d'activer la cloche pour connaître les nouvelles sorties. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Utip, ou pour le prix d'un café, vous me permettez de me consacrer pleinement à YouTube pour vous fournir encore plus de contenu. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres, que je vous dédicace à la demande, les musiques, des vidéos de la chaîne, des prints et autres goodies. Un petit voyage dans la boutique Spreadshirt vous fournira la garde-robe idéale pour vos murder parties et la communion du petit. Rejoignez-moi sur Discord et sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y suis assez actif et vous tiens informé de l'actu de la chaîne. Voilà. Je vous laisse. D'autres affaires non résolues méritent qu'on s'y attarde et j'ai besoin de votre avis. Matane! I'm mad.